Amen, amen. On va lire Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de roi. Merci pour la Boyo kandenge masako linyo soba koloba na jesie Namoko loyo akoya kosambisa mokili Makoloba na ye boye Bande ko boyo Lilo bana yonko otinda kibiso Kote ya kiyango na mokili mobimba Babo ya ke, bato babo ya ke Lilo bana yo senyo, otinda kibiso Tote ya kiyango na mokili mobimba Babo ya ke, mibi babo ya ke Solo tongo, 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 tongo 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 na mokolo neye Bisika biso kati kati na mokili Tozala kikote ya lilo bana yo Bato babo ya kikoyoka Bato la kililo bana yo masia ye Lilo yo moko jezi katari Solo tongo 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 na mokolone Bisika biso kati kati na mokili Tozala kikote ya lilo bana yo Bato babo ya kikoyoka Bato na kililo bana yo masia Lilo yo moko nzambe Sasa otonga banda kona kolanda yo, eh, 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 anaya,
Olobanine, 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 Olobanine. Namokolo yangoe, Olobani, Bika kabate, Olobani. Yesu Kristo papa. Soki na mine la terre a robina sunani. Kata
Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour le roi des rois? Le thème de ce matin s'intitule Les maladies grabataires. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, les maladies grabataires, ce sont les maladies incurables. Oyo eziyambakalobi kote. Alléluia. Amen. La maladie est normale. Bokono ezakananzela. Tout le monde peut tomber malade. Batonyonso bakoki kokwena bokono. C'est pourquoi vous avez vu Timothée qui était tombé malade et avait même frôlé la mort. Ndebe bokomona Timothée yo apelaki akomaka kutu ata pene na liwa. Donc, la maladie est naturelle. Si tu vis dans un environnement de microbes, tu vas tomber malade. Mais malade à Kinshasa, la maladie de Kinshasa provient de la saleté que les voleurs ont laissée. Donc, si nous mettons fin à les salubrités, ce qui est aussi ici, les gens ne tomberont pas malades tous les jours. Alléluia. Amen. Et je vous donne une information que vous connaissez bien. Que en Europe comme aux États-Unis, on ne voit pas les médecins comme ça. Dans ce pays-là, le médecin est là pour recevoir les gens qui veulent mourir. C'est pourquoi quand tu viens chercher les médecins, surtout dans les hôpitaux publics, tu les cherches au mois d'octobre, il va te fixer rendez-vous pour le mois de décembre. Parce qu'il ne voit pas comment quelqu'un peut tomber malade dans leur environnement. Ce n'est pas comme chez nous ici, l'enfant tousse, je vais voir le docteur, on ne va pas te recevoir. Pour que le docteur te reçoive, il faut que tu sois transporté par une ambulance. Dès que vous appelez le médecin,
Au téléphone, il vous dit, s'il continue à tousser, vous donnez tel produit, rendez-vous dans 2 mois. Pourquoi? Parce que l'environnement est sain. Ce n'est pas sain avec T. Ezali bo santo te, mais sain santé. Ezali esiko ezali pe toi. Ce qui amène les maladies ici à Kinshasa, ce ne sont pas les sorciers comme vos pasteurs vous ont dit. Ce sont les poubelles laissées par les voleurs. Et puis, pourquoi bato bakufa à suite à insalubrité, bako bimela bato na baibaka bambomote. Alinga mela mai obimelié. Quand il veut. Ils veulent prendre de l'eau. Alingali a fufu obimelié. Quand il veut manger son Alinga fufu, tu apparais. Quand il veut danser kibindankoi, tu apparais devant lui. Si nous mettons fin au vol et au détournement dans ces pays, ceux qui te soukissent moïbi pekoi ba solo, Kinshasa sera véritablement kin label. Kinshasa et kozala Kinshasa kitoko. C'est pourquoi même dans nos prières, il faut que Dieu s'occupe de ceux qui ont volé l'argent de Kinshasa. Et singeli nzamba tala likambo ba nyonso ba ibi misolo a Kinshasa. Très fort pour les rois. Alors, bien aimé, j'étais en train de vous dire que la maladie est naturelle. Si tu vis dans un environnement de microbes, tu vas tomber malade. Ce n'est pas pour cette maladie-là qu'on vient déranger le pasteur. Sinon, Isaac a perdu 7 ans pour rien. Donc, pour ce genre de maladie, il faut voir le médecin. Et ça va marcher. Et il faut voir un vrai médecin. Parce que maintenant, il y en a partout. Quand tu vois un vrai médecin, il te soigne. Tu dois guérir. Et encore là, il faut que ce médecin, ce brave, qui travaille dans des conditions difficiles, puisse avoir la logistique appropriée. Vous volez l'argent. Quand vous avez la malaria, vous partez en Chine. Et nous restons ici. En tout cas, vous allez remettre l'argent. Je vous l'ai dit, vous allez remettre cet argent au nom de Jésus. Dans la prière, on a beau bien aller à Milumba, il faut rebondir la Kenzamba. À confondre Batnonso, Bayibambongo, Bazongo, de chasser les démons, il faut le Congo ira de l'avant. De confondre ceux qui ont évité de déranger Dieu. Botika Kotungi Sanzambe, Congo et Okendaliboso, ceux qui ont déranger Dieu. Nous a déjà tout donné. C'est à nous maintenant de nous organiser. Pesabisonio, ce singe Tomi Bongi Sande Sikao. C'est ce qui fait que sous notre ciel, quelqu'un peut faire 5 ans, 10 ans, il n'est jamais tombé malade parce que l'environnement est sain. Donc, sain, amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes dans les pays civilisés, même quand vous avez subi une intervention chirurgicale, on ne vous donne jamais les ampicillines. On ne vous donne jamais les antibiotiques. Quand vous demandez au médecin, il vous dit que regardez l'environnement tel qu'il est propre. Vous allez trouver les microbes où? Les microbes où? Et vous, les pasteurs, vous encouragez ces voleurs. Toutes les maladies, pour vous, c'est le diable. Jésus lui-même dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est-à-dire que Dieu connaît le médecin. Si tu nettoies pas ta chambre, les moustiques vont l'envahir et vous aurez une malaria interminable. On doit mettre fin à ces fausses prophéties selon lesquelles le diable a envoyé l'esprit de malaria à Kinshasa. Faux. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'en Europe, il n'y a pas de sorciers? Pourquoi le diable ne peut pas envoyer la malaria là-bas? Si la malaria nous envahit, c'est parce que notre environnement
se trouvent dans un état d'insalubrité insupportable. Cette ville a besoin d'un poubellier. Nous le faisons, les enfants seront constamment en bonne santé. On ne parlera plus de l'esprit de fièvre et de maladie. Même Jésus ne priait pas pour toutes sortes de maladies. Même Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi maintenant nous voulons tout mettre sur le dos du diable? C'est comme si le diable était plus puissant que Dieu. Mais je vous dis que l'Éternel des armées, il n'est pas seulement ultra puissant, mais il est aussi totipotent. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, qu'il vous protège de toutes les maladies? Mais il y a des maladies grabataires. Ces maladies pour lesquelles vous voyez le médecin, il n'y a pas de changement. Vous voyez l'infirmier, il n'y a pas de changement. Vous voyez les tradis praticiens, il n'y a pas de changement. À ce moment-là, un enfant de Dieu averti, il se souvient qu'il s'agit d'une maladie grabataire. Et pour ça, je dois chercher l'Éternel des âmes. Je t'informe que si tu avais une maladie incurable, aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. Amen. Amen, amen. Je me souviens de cette femme qui avait l'hémorragie. Elle avait dépensé de tout son argent auprès d'un médecin. C'était sans succès. Mais en bout de course, elle rentra vers le grand-maître. Donc si tu es dans la situation de ceux qui ont dépensé de tout leur argent auprès des médecins sans solution, aujourd'hui l'Éternel des armées va te toucher. Amen. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans la situation de cet homme qui avait un enfant lunatique, l'enfant égimé. Et cet enfant, pour voir qu'il s'agit de maladies démoniaques, il y a des signes qui peuvent permettre à un pasteur de comprendre que ça c'est la maladie démoniaque. Quand il fallait tomber, l'enfant tombait soit dans le feu, soit dans l'eau. C'est suspect. Amen, amen, peuple. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu es malade, tu vas pour voir le médecin Mama Yemo. Quatre fois, dès qu'on arrive sur ton nom, le médecin dit qu'il est fatigué. Il faut réfléchir. Il faut se poser la question zéro. Pourquoi seulement moi quand j'arrive? Il y a ce genre de choses. Et même quand il y a la maladie normale, avant de voir le médecin, recommande-toi entre les mains de Dieu. L'erreur du médecin peut aggraver ta maladie. Moi j'ai un cousin qui vit en Angleterre. Pour voir que quand le diable te cherche, tu peux même choisir le meilleur médecin. Et il ne va pas s'en sortir. Il était malade, on l'amena à l'hôpital. Chose qui arrive rarement de ce côté-là. Et lorsqu'on lui fait des prélèvements, l'infirmier va confondre son prélèvement avec celui de quelqu'un d'autre. Et finalement, lorsque le médecin voit les résultats, il va commencer à les soigner sur base de ces faux résultats. Un jour, un autre frère qui vit avec lui, il m'appelle pour me dire que, grand frère, je pense que ton vieux va décéder. Si tu le vois dans son lit de l'hôpital, tu ne vas plus le reconnaître. Je l'ai encouragé parce que je lui ai dit, les médecins peuvent échouer. Moi-même, je peux échouer. Mais mon chef ne choue jamais.
Amen. C'est pourquoi, comme les médecins ont échoué, et que moi aussi j'ai échoué, je vais demander aux médecins de nuit et de jour. Alléluia. Amen. C'est le médecin de nuit et de jour, parce que la Bible dit que celui qui veille sur Israël, il ne dort point, il ne sommeille point. Donc, c'est le médecin à temps plein, le directeur des opérations. Il travaille 24 heures sur 24 heures. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, mon Seigneur. Alors, quand nous avons prié, il rentre à l'hôpital un jour, le même médecin. Il dit que tel que je vois les bilans, il devait guérir. Je vais demander qu'on reprenne les examens. Quand on a repris les examens, on a trouvé autre chose que ce qu'on était en train de soigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On changea de traitement. Babongola mon nom. Et aujourd'hui, Pelelo, il est en bonne santé. Azela Bokolongo Nubanzo Tomala. Donc je sais que même toi peut-être, on avait confondu des posologies. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te visiter. Alors, regardez, lorsque le diable t'en veut, quand tu cherches le médecin, tu ne le verras pas. Quand tu cherches le pasteur, tu ne le verras pas. Parce qu'il t'en veut. C'est pourquoi je voulais vous dire, chaque jour, quand je me réveille, ma première prière, c'est de recommander toute l'église entre les mains de Dieu. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut vous arriver. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimé, le père de cet enfant va apprendre que Dieu avait visité son peuple et qu'il y avait un nouveau médecin en Israël. Il ne va pas envoyer sa femme. Généralement, ce sont les mamans qui amènent les enfants à l'hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Cette affaire n'était pas hasardeuse. C'est l'homme lui-même qui amène son fils chercher Jésus. Non à l'église. Nous n'avons pas besoin d'une femme. Nous avons besoin d'un homme qui est capable d'amener les enfants vers Jésus. Ce matin, ça ne sera pas moi. Je veux vous amener vers le docteur Jésus. Amen. C'est pour ces maladies-là que l'église existe. Les maladies normales, voyez le médecin. Mais quand ça ne marche pas, revenez vers Jésus. Tout le monde peut échouer. Mais lui n'échoue jamais. Alors, quand ce papa amène son fils, son enfant pour la première fois à l'église, pour voir comment le diable l'envoulait à mort, il ne va pas trouver Jésus ce jour-là. Il y a des gens comme ça. Les jours ils ont des problèmes, le pasteur n'est pas là. Mais je vous dis, dans cette église, même quand le pasteur est en voyage, Jésus contrôle tout. Amen, amen. Amen. L'ange de l'église, image de l'éternel, est toujours là, omniprésent. Dès que tu te présentes, même pendant que je suis en voyage, l'ange va te jeter dans l'eau. Hey, ngani wange la mumaya moye ye ye. Hey, kumai kwimpa waya wakusanga na weba munte ye. Ngani wange la mumaya moye. Nemba masama mangu atangani wange la mumaya moye ye ye. Ngani wange la mumaya moye. Mwana wa Nzambi kiwa ni wangela mumaya moye lele. Ngani wangela mumaya moye. Yesu suka kungela mwema mumaya moye. Ngani wangela mumaya moye. Mwambi nangela mumaya moye. Mwambi nangela mumaya moye. Mwambi nangela mumaya moye. Mwana wa Nzambi mba.
Soyez concentrés pendant que nous prêchons. Le médecin de nuit et de jour est en train d'opérer. Si tu étais venu souffrant, tu vas sentir un soulagement qui va entrer en toi. Si tu étais venu stérile, note aujourd'hui, tu vas concevoir aujourd'hui, que ce soit ta période ou pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas concevoir. Je disais que il y a un ange qui a l'habitude de jeter tous les malades dans la piscine. Ce papa va se présenter avec son fils. Jésus n'était pas là. Alors quand il arrive, Barthélemy et Thomas se regardèrent et dirent, Donc dans cette église, il n'y a que Jésus et Pierre. Aujourd'hui, ça va se savoir. Bien-aimé, même en médecine, il y a la spécialisation. Les médecins des yeux, ce n'est pas lui qui soigne l'estomac. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'avantage avec Jésus, c'est qu'il est à la fois généraliste et spécialiste. Donc c'est-à-dire que Jésus est un médecin encyclopédiste. Quand il faut mettre les plâtres, même à l'absence des infirmiers, lui-même il le fait. C'est ainsi que chaque fois qu'il trouvait les boîtes, il est demandé par sa parole de se mettre debout et de marcher. Tel que je suis en train de prêcher maintenant, s'il y a quelqu'un les rhumatismes, qu'ils se mettent debout et qu'ils marchent. Si quelqu'un est en train de suivre des maladies compliquées de pieds, qu'ils fassent tout mouvement. Amen. Ne joue pas avec les rhumatismes. Les rhumatismes finit par rendre boiteux. Tu avais les gouttes.
Mon Dieu va te toucher maintenant. Soyez concentrés. Parce que la prédication d'aujourd'hui elle sera différente. On va prêcher, on va prier, on va chanter. Parce qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Chaque fois que je chanterai, l'ange descendra. Il va te jeter dans l'eau. Parce que tu n'as personne. Et en sautant de l'eau, tu seras en bonne santé. Parce que tout celui qui était venu malade, tu retournes en bonne santé. Même s'il y avait la maladie dans ta maison, je la détruis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses anormales, frère. On m'a présenté quelque part un enfant de 12 ans qui souffrait de la diabète. Je lui ai dit que Nalobi. Ça, c'est la sorcellerie. Quand l'enfant est encore jeune, c'est le moment où il doit manger le chocolat. Et cet enfant, ça commence à cet âge. Pourquoi l'épilepsie ne voit que ton enfant? Pourquoi l'épilepsie ne peut pas voir les enfants de voleurs? Alléluia. Amen. Et toi? Naïo, et tes enfants, na yo, je vais te présenter au grand maître aujourd'hui, Jésus-Christ, le maître de Galilée. Alors quand Thomas et Barthélemy commencent la délivrance, na Barthélemy va bandir les bons délits à Kokango la moine. Rouquen d'abord tombe, je popo popo popo. Alors pendant qu'il priait, l'enfant tombait encore. Wana bazala qui kobonde la moine à quoi il y sous. Alors Thomas il appelle le papa là, il dit yo za mutamasomo. Abi, papa, toi tu es un pécheur. Si le papa est pécheur, ce qui t'attend à qui m'assume, quel est le problème de cet enfant? Les Camboni ni moi na oyo, azali kota la na masumu atata. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas avoir pitié de cet enfant? Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Dieu a eu pitié de tes enfants qui étaient tout le temps malades. Dieu a eu pitié de ton mari. Dieu a eu pitié de ta femme. Il vous guérit tous. Abiki sibi no nyonso. Amen. Alors quand Thomas et Barthélemy terminent, ils appellent André. Rien. D'ailleurs, quand il est arrivé chez André, il est tombé maintenant dans le feu. Mais ce que j'aime, c'est ce papa. Il n'a pas suivi l'échec de Thomas et de Barthélemy. Il s'est renseigné auprès de fidèles. Il a dit, mais votre pasteur là, il est où? Alléluia. Amen. Non, les fidèles ont dit que d'ailleurs, ce que tu as trouvé là, ce sont les assistants. Notre pasteur Jésus, il est à la montagne. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Même tel que je parle, là, ton Dieu à toi, il est à la montagne. C'est pourquoi Amen. La Bible dit que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un médecin, mais c'est aussi un croix rouge. Les médecins ont trop de complications avant de les voir. Mais les croix rouges, dès que vous tombez, c'est lui qui vient vous prendre. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les croix rouges en chef te trouvent là où tu es. Tu n'as pas l'argent pour voir les médecins. Et même le pasteur aujourd'hui pour prier pour toi, il te demande la fiche. Mais il y a un croix rouge. Il intervient sans que tu l'aies demandé. Laisse que Dieu intervienne dans ta maison en tant que secouriste. Qu'il puisse enlever tout toutes les maladies qui règnent dans ta maison maintenant, que toutes les maladies vous quittent. Oh, laisse que la maladie quitte ta mère, laisse que la maladie quitte ton père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère-là, chaque fois qu'il venait à l'église, il amenait son enfant. Mais quand il voyait Barthélemy, son fils lui disait que papa le pasteur est là. Moi, il lui disait, tata, il n'est pas connu de Dieu. Tata, Barthélemy, je vous dis que même parmi nous les pasteurs, il y a des pasteurs que Dieu reconnaît et il y a des pasteurs que Dieu ne reconnaît pas. Donc, eux, ils veulent l'impudicité comme autre chose. C'est pourquoi ils mourront avec le sida.
J'expliquais au sida qu'il est en train de tuer les gens Alléluia. Avec leur santé. Alléluia. Amen. Alors, lui n'avait pas abandonné l'église. Parce qu'il savait qu'un jour, le maître viendra. Le maître là, ce n'est pas moi. Le maître là, c'est Jésus de Nazareth. Même quand je suis aux États-Unis, il est là. Yesu azali. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, celui qui guérit, ce n'est pas l'homme. Celui qui guérit, c'est l'ange qui agite les eaux. Amen. Chaque église a un ange. Ecclesia est un angelou. L'ange visible, c'est moi. Angelo mais au-delà de moi, il y a un ange visible. C'est pourquoi l'église image de l'éternel, c'est tout un esprit. Yango est mon limo mobimba. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Et pendant qu'on cherchait Jésus, wana bazai ko luka Yesu, Jésus n'était pas en train d'embrasser les filles. Yesu azalai ko pesi ko yamba bilenge basite. Parce que vous, les jeunes filles, vous voulez seulement sortir avec les pasteurs, vous allez mourir. Je vais vous dire ceci, tous les véhicules que vous voyez sur la route, les véhicules de Dieu ne sont qu'à 20% seulement. Mais le diable a 70% de véhicules. Quand tu sors avec un homme, il prend toute ta chance. C'est pourquoi vous allez voir ceci jusqu'à 60 ans. Dieu te dit ceci, on va t'épouser d'ici là parce qu'on a pris toute ta chance. C'est ce que les filles ne savent pas. 12 ans. Mboula zomi na mibale. Bi déjà na filé. Non, c'est mauvais. La jeune fille n'est plus vierge, ce n'est pas et bon. Et puis nga na zo comprendre te. Moi je ne comprends pas. Ba sa ki toko ba zo ba la vierge. Les belles femmes. Mais c'est ronga na itoza ndenge moko. On les épouse pendant qu'elles sont vierges. Abandi ki ndumba avant. Pourquoi tu ne peux pas te poser la question que des belles femmes se marient bon, vierges jusqu'à ce jour. Ba sa ki toko bazali ko bala, bazali. Ah, yon, c'est seulement toi. Alors, un homme dit si, elle va comprendre aujourd'hui à la maison. Toi-même, tu avais abîmé combien de filles. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé aussi. Donc, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tu as abusé des enfants des autres. Dieu va te donner une femme. Et puis, mon lit, mon côté, les jours, un autre jour, elle va commencer à te parler de ses anciens copains. Donc c'est Dieu qui veut te Zambende. Te rendre la monnaie. C'est vous là qui abusez des enfants. Moi je vais t'épouser. Les enfants, si quelqu'un te dit qu'il va te prendre en mariage, il ne faut pas aller leur rendre visite chez eux à la maison. Acclamons très fort pour les enfants. Les garçons sont risés. Oh, je t'offre le coca. Dans le coca, là, il a mis un produit somnifère. Dès que tu prends, pourquoi il y a l'air partout? Pourquoi toi tu manges partout? Même si tu as faim, il ne faut pas manger partout. Ce qui est le cas, profiter des gens de mon beauté. Ce qui est le cas, c'est que les gens ne sont pas en train de mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Amen. Mais c'est comme ça. Vous ne voyez pas aux autres, on paye l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a vu les animaux. Toi, tu as vu ma beauté tout simplement comme ça. Tu ne me donnes rien. Quand vous allez regarder les résultats des examens d'état, vous ne payez pas. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ce qu'on peut se dire, dollars, quand il te donne 10 dollars, tu lui dis ceci. Tu ne vois pas cette beauté ici? Amen, amen. Oui, mais ça y est, la beauté, elle n'est pas gratuite. Il vient de voir ce qu'il n'a jamais vu. Et c'est comme quand tu épouses une femme, mon frère. Et ça, une belle femme. Il faut gâter cette femme-là avec de belles histoires. Oui. C'est une bénédiction d'être donné une belle femme. C'est une bénédiction, il faut la gâter. Ma maman, il faut m'appuyer. Attends, on a le maman comme moi. Donc, il faut la gâter. Et Sengeli, qu'on sale les malades. Amen, amen. Amen. Au Sombi,
Le costume, le collier à pasteur qui se fait, ça sombre. Attends, on a encore trois et voyez, badate. Mais maman, il faut aussi sa couleur. Nous sommes en été. Quand même, moi, ça, je suis le coup, il y a mon bail. Moussou, ça, ça, où est maman? Batunio, wapi maman? Dans cette église, il n'y a pas de première dame. Oh, il y a une première dame à Zalite. Première dame à Zalite. Ah, il n'y a pas une abisso, il y a une première dame. Oui. Ce que mon pasteur a bandit que bomba moi si tu vois le pasteur qui cache son épouse, sachez qu'il a une copine dans cette église là. Donc ce que mon pasteur bazou tout na où est maman? Vous voyez le pasteur, on lui pose la question de savoir dans cette église il y a que des sœurs. Soukaboula. C'est vraiment un impudique. Non, il faut quand même dans ton église. Et singel une église il y en a aucun. Les enfants connaissent leur mère. Bana baby maman na bango. Donc bazou Banabazoza ba inspiration les à enfants, partir de mère na bango. Ils ont les inspirations à partir de leur mère maman. Abeta ki mumba fulelo. Vous avez vu comment maman s'était habillée aujourd'hui? Au mon pasteur là. Vous allez voir le pasteur. Maman pasteur en attaque numéro 37, basombele 47. Maman pasteur, chose 37, on il a fait maman pasteur. Le numéro 47. Non. Amen amen peuple de Dieu. Amen. Le messieurs amenait toujours l'enfant. Moto azai koyakana moine. Quand il voyait les jours Barthélemy a prêché, il dit. Tangwa moni mokolo Barthélemy a tei. Frère. Ndeko. Un pasteur. Mobateli pate. Incarne les enseignements des 12 apôtres. Il y a fan di sakama tangi si ya bantu bazomina mibale. Mais n'accepte jamais que quand tu prêches. Kondimate tango zali kote. Tu sois habité. Au fan di sa. Par l'esprit de Thomas. Namoli mona Thomas kondimakango atamokete. Il y a un pasteur qui doute lui-même de la bénédiction des enfants de Dieu. Non. Moi, je crois en votre enfant. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va vous délivrer. Je sais que dans cette église, il y aura des grands. Je répands l'onction des généraux et des colonels ici. Amen. Je répands l'onction des ministres de finances, des gouverneurs de la Banque centrale, des fonctionnaires du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Je répands l'onction des grandes affaires ici, que nos sœurs commencent à importer des navires entiers. Parce que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de miracles. Le pasteur, certes, il doit incarner le message des 12 apôtres. Il doit incarner le message de Thomas quand il médite lui-même. Mais quand il est devant le peuple, il doit parler comme Pierre. Il doit avoir l'onction de Pierre. Si l'ombre de Pierre guérissait les malades, ma parole doit guérir les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui m'entend maintenant que je parle, que les démons les quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors Dieu, Jésus regarde. Yes, il dit que boulot au sein de Thomas, là-bas, Barthélemy, aucun d'entre vous. Alors, le travail que nous sommes en train de faire avec les Thomas et les Barthélemy, ce jour, travail ici n'ira pas de l'avant. Et la Bible précise, il dit que six jours après. Répétons ensemble six jours après. Six jours après. Dieu Nzab se manifeste puissamment. Ambimboni sakalanguya nyonso. Seulement six jours après. Kaka mikolomotoba nasima. Le sixième jour, Mokolamotoba, c'est le jour de la création de l'homme. Mokolo, omoto akelama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ezana motomo kwa sosoli mala. Pour que Jésus se manifeste dans ta Yesu, amimoni sana il faut que tu quittes l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Ezana motomo kwa sosoli mala. La guérison va entrer en lui. Donc tu dois quitter la vie charnelle. Olongwa, si na tu veux que Dieu se manifeste en toi, il le fait six jours après. Asala kango mikolomotoba na sima. Tu n'es pas encore spirituel. Yozali ya molimo. Insulte comme tout le monde. Tu prends du chanvre comme la bang. Tu prends des ododo. Ozali comme la pèse ododo. Amen, amen. Amen. Comment Dieu peut se manifester en toi? Il se manifeste. Nzamba mimonisaka. Six jours après. Nikolomotoba na sima. Aujourd'hui, au goût à pasteur Moussous, mon teka yekobu. Vous allez voir un autre pasteur. Il n'a même pas l'argent, c'est seulement. C'est quoi? L'impudicité. Non, son problème, c'est là-bas tout boulot. Tout ça, c'est abîmer le travail des autres. L'église n'est pas un lieu, un sanctuaire de l'impudicité. Les gens ne viennent pas voir le pasteur pour qu'ils prennent leurs enfants. Les gens veulent voir le pasteur pour qu'ils prennent leurs enfants. Le
Regardez même dans notre pays ici. On avait des grands serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Tout le temps. Cette main. Atana Lali. Elle est à moi, même si je dormais. Si, même si elle venait, elle va ailleurs. Oh, ma sœur, tu as le cancer. Ça fait comment? Y a moi si, toi, tu es médecin. Osa la cancer. Yo komi munga. Osa docteur Kachal. Yo okomi munga. Tu es le docteur Kachal. Si tu veux voir la main de Dieu. Ce que nous avons dans le Bokonanza. Conserve-toi pur. Yo mi bate la paix toi. Sépare-toi des hommes méchants. Yo kabwana na bato mabe. Une jeune fille avec tes amis, c'est seulement les causeries des jeunes gens. Il ne faut pas être ensemble avec elle. Il ne faut pas être ensemble la avec Bible elle. La Bible dit que les mauvais lobbies, compagnie corrompent les bonnes mains. Baby, ça commence à faire mal. Tu as ton ami qui ne t'envoie que des images. Non, téléphone. Il ne faut pas être ensemble avec cet ami-là. Au moins, ce qu'on bombi. Nous avons retenu les vrais dieux. Tu sais, dans mon bel aspect, donc, si tu te protèges, avec Katugubia, Dieu va te donner un bon mari qui a beaucoup d'argent. Avec l'impudicité, tu as fait l'impudicité, mais tu n'as plus rien à voir. La tête est bien placée. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Vous trouvez aujourd'hui même le pasteur. C'est quoi? Tu n'avais pas eu le temps de t'amuser dans ta jeunesse ou quoi? Et vous venez, c'est toujours ma soeur. Ezalikaka, ma soeur vient ici. Quand elle vient chez toi, il faut prier pour elle seulement. Mais Dieu m'a montré que tu as le cancer. Toi, tu n'es pas docteur Kachala. Lui ne vient que quand il y a les élections. À Simbi. Parce que maman, tant oiseau pour s'aboyer. Maman, quand il approche sa main vers toi, tu ne peux pas te fâcher. Je sais que toi, tu ne te fâches pas. Quand tu vois la main s'approcher de toi, Moli mago ganga yaka gangela ye ye ganga yo 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 ganga gangela bula ganga ye ye ganga atika yekobo ganga ye yo 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 ganga don omo nini osa yo nina ngo yo osa yo that's saltamo obimi oso pese courage. Parce que Zosima, tu lui donnes le courage. Parce que quand il touche, tu es en train de sourire aussi. Oui, mais tu sais que c'est la grande pénalité dans le stade. Donc, au toucher ballon. On ne peut pas toucher. Mais il a touché le ballon, frère. Asimbi Ndembo Ndeko. Il a touché Asimbi. Le ballon. Biloko yo, Vita a gagné le match. Papa n'a pas touché le côté. Papa n'a bien fait. Mais oh, il y en a et puis il a seulement touché. Et ben n'a pas penalty. C'est ce qui amène les penalty. Papa n'a pas touché le côté. Papa, je te dis qu'il n'a rien fait. Mais je te dis là où il a touché. Yamine. C'est ça le grand problème. Il ne fallait pas qu'il touche ici. Mais c'est grave. Amen, amen. Amen. Le pasteur vient de manger avec le pondou. Il n'a même pas encore brossé. Celui-ci vient de manger avec le limbondo. Avec le limbondo, entre pondou et limbondo. En train de s'embrasser. Amen, amen. Répète-toi ensemble, Zoba. Bien-aimé. Balingami. Le Seigneur, il regarde, il dit que ce travail qu'on fait avec le Barthélemy et le Thomas n'ira pas de l'avant. Il va choisir trois parmi eux. Frère, tout le monde peut tomber dans les mal. Mais Dieu se garde au moins trois. Qui sont-ils, Pierre, Jean et Jacques? C'est-à-dire que pour que Dieu se manifeste, je vous ai dit qu'il se manifeste six jours après. Le sixième jour était le jour de la création de l'homme. C'est quand la vie charnelle. Ezali tango, bomo ya mosuni.
vous quitte. Et que Dieu peut travailler avec vous en tant que pasteur. C'est pourquoi aujourd'hui il touche à la magie. Non, pour aller de l'avant, vous n'avez pas besoin de la magie. Nous avons un tremplin. C'est Jésus-Christ. Le maître de Galilée. Le véritable Fulangenge. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher maintenant que Jésus... Dieu ne se manifeste pas quand on est encore dans le sixième jour. Il faut quitter. Et même quand vous quittez le sixième jour, Dieu ne se manifeste pas dans tous les endroits. Il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas dans toutes les églises. Amen. Depuis que Jésus était avec tous ses douze. Rien de pareil n'arriva. Donc quand il t'est converti, il faut changer des milliers. Jésus va quitter le sanctuaire. Il va monter avec sur la haute montagne. Donc, il y a des églises là où Dieu se manifeste, mais il y a aussi des églises là où Dieu ne se manifeste pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Le jour où Saoul est parti avec le serviteur chercher l'Andesse, quand ils se sont renseignés, on leur a dit ceci: nous savons que dans la ville, là, il y a un prophète. Tout ce qu'il dit arrive. Amen. Donc, on ne se met pas dans toutes les églises et que vous allez trouver la manifestation de Dieu. Je ne vous oblige pas de prier avec nous. C'est une information que je vous donne. Dieu ne se manifeste pas partout. Si tu vois ton compagnon, il faut porter plainte à ces messieurs, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que nous savons donc que Dieu n'exauce pas les péchés. Nous savons donc. Et na kamwe to bimi na yeme batuba kwei ba ventir na bango ba yokana. Ça, ce ne sont que des aventures. Quand ils arrivent sur la montagne, première chose, le visage de Dieu change. Quand quelqu'un vient à l'église, son comportement doit changer. Ses affaires doivent changer. Ses études doivent changer. Son travail doit changer. Alors quand Pierre voit ça, avec ses amis, il se mit à genoux. Mais Pierre n'avait pas encore de révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, nous sommes les enfants pour qui Jonas a été jeté dans les eaux et avalé par un poisson pendant 3 jours. Nous sommes plus révélés que les apôtres avant la descente du Saint-Esprit. Il va commettre l'erreur de dire que non, je veux construire 3 tentes. C'est-à-dire, il voulait faire d'Élie et de Moïse les égaux de Dieu. Mose, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien et qu'il est un bon prédicateur. Il y a des gens qui parlent bien mais qui veulent construire 3 tentes. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Même dans les temples, attends, il y avait un seul temple mais avec trois compartiments. On ne peut pas avoir des temples indépendants. My God. Je ne sais pas qui est sur votre montagne. Aujourd'hui, les gens ont construit des tentes sur leur montagne. Ils ont construit des tentes dans leur église pour leur pasteur. Non, à l'église, il y a un seul trône. C'est le trône de Jésus. Amen. C'est pourquoi, après avoir parlé de la sorte, ils tombèrent.
Quand Jésus l'est réveillé, tango yeso la Moussa bango, il ne vit ni Moïse ni Élie. Il vit Jésus seul. Bamona yesu yemoko. Dans notre église ici. L'église il n'y a ni Moïse ni Élie. Il y a Jésus seul. Biso tozana yesu kaka. Yende moko di la biso. Yende moba di bade. Yende munganga la biso. Hallelujah. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans l'embrouillement, pendant que Paul et Pierre parlaient de trois tentes, le ciel va faire descendre Lola, un nuage. Lola, Eko Kitisa, Lipata. Un seul. Moko. Savez-vous ce qu'il y a Dieu? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a d'eux? Nous savons ce qu'il y a d'eux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne. Dans cette église, nous avons un seul Dieu. Dans cette église, nous ne prions pas Gégé. Nous ne prions pas Moukouna. Nous ne prions pas Kadima. Mais nous prions un seul Dieu. Qui s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen. Pour contredire Pierre, Dieu va faire tomber un nuage, un seul. Il va les englober tous. Mais dans les nuages, il y avait une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, ouvrez les oreilles, chers frères et sœurs. Jésus est au milieu de nous. Les jours d'aujourd'hui, c'est les jours de votre guérison. Les jours d'aujourd'hui, c'est les jours de votre délivrance. Amen. Alors quand il quitte la montagne pour entrer dans le temple, le papa là était toujours à l'église. Amen, amen, mon frère. Amen. Même si tu as eu des problèmes avec le protocole. Même si vous avez eu des problèmes avec mes collaborateurs, d'ailleurs, vous n'en aurez jamais. Je ne m'installerai jamais aux États-Unis. Je serai toujours avec vous. Je partirai. Je reviendrai. Amen. Alléluia. Amen. Il descend. C'est lui qui descend. Il était enveloppé par un nuage céleste. Le pasteur, avant de descendre dans le temple, il doit quitter d'abord la montagne. Il doit monter dans les airs, parler avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le pasteur doit d'abord parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Nous allons où? C'est que ce soit où maintenant le pudicité, ça devient la vie de pasteur. Même si on a dit que si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que et personne ne dénonce ça. Ils se sont versés dedans. Moto ata moko tazai ko telemela yango. Moi je dénonce. Pourquoi toi le pasteur, tu veux amener les gens en enfer à cause de tes sentiments charnels? Pourquoi? C'est pourquoi on ne voit plus la main de Dieu dans nos églises. Parce que les gens sont dans les mains. Jésus était sur la montagne avant de descendre dans l'église ce jour-là. Le pasteur doit être au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je connais un homme. Si dans la chair, je ne sais. Si c'était hors de la chair, je ne sais. Cet homme a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Qui ne peut pas parler aux hommes si qui n'a jamais été au ciel. Amen.
Donc ton corps peut être sur la terre, mais l'esprit doit être en contact avec les grands dieux. Et sans monter sur la montagne. Et Jésus descendit. Ah, je vous informe qu'aujourd'hui, le Seigneur est au milieu. Amen. Amen. Alors quand il arrive, après culte, Barthélemy l'appelle. Barthélemy Jésus ne reçoit pas aujourd'hui. Dans cette église, je ne suis pas venu pour toi. Laisse-moi partir. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je reçois tout le monde. Mais ne viens pas tout seul dans mon bureau que mon protocole t'y amène. Alléluia. Amen. Ah oui. Les uns des bruits. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un qui veut vous priver de la grâce de Dieu, il vous dit que le pasteur ne reçoit pas. Tu vois, comme vous êtes dans cette église, vous avez le même droit que même tout si le monde. Tu es venu aujourd'hui seulement, vous avez mais le même droit que tout le monde. Mais le jour où je vais te trouver en train de pécher, là, on ne va plus s'entendre. Alléluia. Amen. Quand Jésus descend, l'atmosphère change. Il était sur la montagne, l'atmosphère change. Il descend sur la terre, l'atmosphère change. Je voulais vous dire que l'atmosphère dans notre église va changer tout de suite. L'atmosphère va changer dans ta maison. L'atmosphère va changer là où tu travailles. L'atmosphère va changer dans tes affaires. 10 000 et les 10 000 et les 20 000. J'ajoute les 15 millions au nom de Jésus. 15 millions à combo na Yesu. Amen. Amen. Mais il ne faut pas voler. Oui, puis tu sais, pour que Dieu te bénisse, mais tu n'as même pas besoin de voler. Les voleurs pensent qu'il faut voler pour être béni. Dieu peut te bénir même si tu n'as pas volé. Je vous dis tel que vous êtes. Nathalie Sibino Lenge Bozalia. Je vous bénis au nom de Jésus. Na combo na Yesu. Vous aurez des millions. Amen. Amen. Vous aurez des millions. Amen. Ne tiens pas compte. Quand Jésus descend quelque part, les choses changent. Il amen. Était sur la montagne. La montagne vit la gloire de Dieu. Il descend dans l'église. L'église vit la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous dire, frères et sœurs, que vous allez vivre la gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui souffrent les maladies des yeux, vous serez surpris un jour. Vous n'avez pas de lunettes, lunettes mais vous lisez normalement. Ça va arriver au et nom du Seigneur na Jésus. Alors quand il rentre, kasi tangwa zongi. Le papa là vient avec l'enfant. Tata yena Barthélemy mwani. Bloqué de ce côté. André, il dit qu'il ne faut pas aller. Le papa s'est organisé. Tata mi bongisa penza. Pendant qu'ils étaient distraits, wana ba il s'est présenté avec l'enfant devant Jésus et Yesu. Il s'est mis directement à genoux. C'était pour se faire remarquer par Jésus. Donc je amen. Vous dis que les genoux peuvent vous permettre de se faire remarquer par Jésus. La vie de prière peut vous permettre de vous faire remarquer par Jésus. Amen. S'il était debout, on allait les confondre avec les gens qui étaient bien. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière peut te faire remarquer auprès de Jésus. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui n'aiment pas prier. Vous allez trouver dans son bureau plein de livres écrits par d'autres pasteurs. Quand est-ce que toi aussi tu vas écrire? Je n'interdis pas de lire les autres. Mais quand est-ce que toi aussi tu auras tes prédications à toi? Je suis contre les pasteurs qui prennent des prédications d'ailleurs et prêchent à l'heure. À moins que ce soit Dieu qui veut ajouter quelque chose. Mais c'est toujours à la télé. Parce que Jimmy Swagga a dit. Frère, Ekobo, Ndeko, l'impudicité. Elle haute. Nous avons eu les plus grands évangélistes du monde. La grâce de Jimmy Dieu. Jimmy Swagga. Licolo bombardement. Fini.
La grâce de Dieu est partie. Au moins, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Si mais moi, il la police. Voudra qu'il faut l'amener à la police. Parce que oh, oui. Tel que vous êtes là, vous les pasteurs. S'il y a une jeune fille qui vient la police, vous draguer, il faut l'amener à la police. Si tu as la connaissance à la CPI, il faut porter connaissance. Il faut, quand même porter plainte aussi là-bas. Tu vois ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vendre l'avenir de tes enfants à cause de ce que tu es en train de toucher. Au tech ministère, tu es en train de vendre le ministère, tu es en train de vendre tes enfants, tu es en train de vendre l'avenir. Est-ce que ta femme n'en a pas? C'est ça qui a tué l'église. Donc maintenant on amène les malades à l'église, il n'y a rien. Papa Chambou m'a toujours dit, papa Chambou m'a toujours dit. Donc, et le quoi n'est-ce pas? N'angaba qui c'est si là? Vous allez voir les féticheurs. Il y a verre pour intimider les gens. Godet est toujours en costume ou bien en chemise. Mais la main de Dieu va vous toucher. Kasi le boko na nzambe kosimba babino. Amen. Omoni pamplemousse simbana. Tu vois au tech ministère. Ce que tu es en train de toucher, tu vends ton ministère. Yango moni bazo évoluer. Vous allez voir, il n'évolue pas, c'est seulement critiquer les gens. Même vous, Atabino, les pamplemousses que tu es en train de toucher qui ici, fait mandarine à maman, à banne, à vitamine. Toi, tiens compte seulement des mandarines. Au moins, les pamplemousses, femme, tu vois les pamplemousses. Et Boma Adam. Les pamplemousses, quand tu es Adam. Au moins, tu vois, ça nous a bloqué. Ton travail il est bloqué. Moi, je suis à côté. Parce que. Tu ne fais que toucher au pamplemousse. On ne peut pas poursuivre ce monsieur ici. Il n'y a pas quelqu'un. Nous avons un avocat là-bas. Tozali. Il n'y a pas quelqu'un qui peut récupérer ce voyou. C'est ce qui fait que Jésus, il est toujours sur la montagne. Il ne descend pas dans d'autres églises. Les gens viennent souffrant. Il ne rentre souffrant. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous annoncez aujourd'hui que Jésus-Christ le maître de Galilée est au milieu. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus voit l'enfant, il commence à engueuler les apôtres. Il dit jusqu'à quand supporterai-je race de vipère? Donc race de vipère, quelqu'un qui touche. Et puis le bon Moussa l'enzambe est baka. Signe positif, non signe négatif. La main d'un serviteur de Dieu. Au moins même chose qu'il a dit dans même si je vois le Saint-Esprit envoie ma main ailleurs. C'est ton enfant. Toi, tu fais semblant comme si tu n'as pas vu. C'est l'enfant ici. C'est ton enfant. Mais toi, tu viens comme un boa. Ça veut dire quoi ça? Olingo melanini. Si tu as besoin de boire de l'eau, va au robinet. Moi, déjà alléluia. Amen. Amen, amen, banaza. Amen. Église est là. C'est pourquoi l'église. Église ni nos bâtés, ça c'est que l'église. Pour chasser des démons, mes colonels. On ne prêche pas la crainte de Dieu. Chasser des démons, mutons sont pas vieux Azali. Chasser les démons. Depuis qu'ils ont commencé à chasser les démons, personne n'a acheté un avion. Ce sont des aventures. Où les amassano penza. La Bible dit. Bible lobby. Vous connaîtrez la vérité. Beaucoup solo. Et la vérité vous est solo et aussi que la Bible. Frère, quand Jésus entre. De kotango yesu akoti. L'enfant arrive. Mouana, la Bible dit que Jésus chasse sévèrement les démons. Le même jour, la maladie était partie.
aujourd'hui là, les lopenza, même les miom, ataba miom, vont vous quitter au nom de Jésus. Je vous dis, pas demain, l'opité, aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Pourquoi cette chose là va arriver? Le maître de retour. Amen. Alors quand maintenant on guérit l'enfant, c'est quand tant que moi la biki. Regardez la jalousie. Botala. Barthélemy va demander au Seigneur. Mais pourquoi moi je n'ai pas fait ça? Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy a semblé la gâte. Barthélemy ne prie même pas. Azalika kana TV. Avion ekoyi ni ne provoquer amo. Il est souvent devant la télé. Hein? Avion. Yo zaki na avion. Toi tu étais dans cet avion là. Alors on s'engage battu. Là, il réunit les gens. Elle a dit RFI. C'est ce que je viens de suivre. La RFI, lui a mis les sorciers. Il n'a même pas suivi. On a tiré sur cet avion-là. Mon frère. Frère, sœur, Banganzam. Il faut prier, pasteur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui reste à genoux pendant au moins 8 heures. Ngonga, Mwambe. C'est ça le pasteur. Oui, c'est le a prié une lui, quand il prie, il est en train de se nous venons de prier sérieusement. Tu avais la malaria 1 plus. Quand ce pasteur ici t'impose sa main, tu as 5 plus de malaria directement. Je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous libérer. Alors, pendant que... Et poser des questions. Voilà, là. Le papa était avec son fils. Tata Zaki na mwana na en train de tourner autour de Jésus. Pene pene et en train de chanter. Azali peko yemba. Ilonga ezali namakila na Yesu. Ya tomate elonga. Alors Thomas va dire que. Voilà Thomas le Seigneur. Ça c'est on me dénigre. Alobinko lo bazali ko tukanga penza boye. Oui, vie à Ekobo et Bandi, ça va te rendre ridicule. Tu sais, l'impudicité. L'église est Kokoufayo, Misala est Kokoufayo. Va te rendre ridicule. Okostika la ridicule. Tout ce que tu fais sera détruit. Tu vas appliquer l'huile sur les fidèles. C'est pourquoi pour intimider les gens. Jusqu'à salir leurs habits. Je suis venu avec l'eau d'Israël. Non. Alléluia. Amen. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Pour comme Jésus n'est pas là, l'okola Yesu azalite, ils inventent même de fausses prophéties. Ils ont envoient des gens là où vous habitez. C'est pourquoi quand tu as un visiteur, il ne faut pas parler avec eux. Vendredi, j'ai vu 13h40. Le vendredi à 13h40. Tu avais parlé de ceci. La personne avec qui tu as causé, c'est elle qui a été. Je vous dis des choses. Tout rapporté auprès de aujourd'hui, Nathalie Spino, le Seigneur va vous toucher. Alors, pendant que Thomas, Barthélemy discutait, Barthélemy ses parents là, il était avec son fils. En train de louer Dieu. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, Dieu va délivrer tes enfants. Dieu va délivrer ton mari. Dieu va délivrer ta femme. Dieu va délivrer ta famille. Vous allez commencer à marcher tête haute. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a visité. Il y a mes mots ici. Nous acclamons très fort. Donc, Betty Maboko Makasi. Kolo Yesu na poyaka moto. Ata yonza li mabe Nenge nyonsa Ako benga yonso no Uzunga epa ina ye Ako bongo la yo Oko mabu santu Kaye nazali koluka Bapate na yesu Babunga kikala Ya lopango ya tato Yoko zonga Epa ina ye Yoko kota Nakati ya lopango